Quand on voit les cascades, en fait, tous les films un peu de kung-fu, on sait que derrière, derrière le Jackie Chan français, il y a Jean-Marc. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que Jean-Marc a été 6 fois champion de France de kung-fu, a été champion du monde également de kung-fu. Donc le mec, autant dire que... Le mec sympa. Voilà. Est-ce que tu as des images de toi où on te voit soit en cascadeur pendant les répètes ou soit en coulisses de film? Alors en fait, oui, en backstage, enfin, j'ai une belle histoire, une belle aventure. C'est que quand Johnny Hallyday a fait son premier Stade de France en 1991, c'était 50 ans, j'ai eu le plaisir et la chance de faire la chorégraphie sur scène avec lui, avec ce fameux pont derrière, le pont de Brooklyn. Et il y avait une énorme baston avec 200 mecs qui se battaient ensemble. Alors j'ai fait la chorégraphie et je me retrouvais seul face à face avec lui. On avait une baston tous les deux. Et on a fait un an de tournée ensemble. Et ça, c'était vraiment un très bon souvenir parce que c'était l'art martial spectacle. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé un petit peu dans le métier du showbiz, on va dire. Par contre, moi, j'aimerais quand même bien que tu m'apprennes comment on fait pour ne pas se faire voler son téléphone portable. Imagine, par exemple... Je l'ai ici, il y a quelqu'un qui essaye de l'empoigner. Imagine, ça, c'est le téléphone. Alors, vas-y, moi, c'est mon téléphone. Tu veux m'attraper le téléphone? Je t'attrape. Tiens, voilà. Bam. Il faut aller au plus simple toujours. Les choses les plus simples sont toujours les plus efficaces. Mais je m'attendais à un truc, j'allais apprendre une super cascade et non. Non, mais c'est pour te dire, tu vois, c'est qu'en fait, on complique toujours les choses. Les arts martiaux, c'est c'est un vecteur d'esthétisme et d'efficacité. Souvent dans les arts martiaux, dans les films, on voit des choses très compliquées. C'est pour le public, mais quand on cherche l'efficacité, c'est toujours les choses les plus simples qu'il faut chercher. T'as compris, Jean-Marc, c'est ça. Il a eu peur, t'as vu? Ça marche. C'est quoi le pitch pour ton film? Le pitch, c'est une jeune fille dont le sang a une particularité. Cette particularité, c'est de pouvoir lutter contre le virus Ebola. Et bien sûr, tous les laboratoires de la planète lui courent après parce qu'ils veulent faire des vaccins pour pouvoir maîtriser encore et avoir une emprise, notamment sur le continent africain où il y a le plus besoin de vaccins. Et mon film fait partie, voilà, parle de ça. Et l'action n'est là que pour accélérer et que pour servir d'accélérateur à ce propos. Alors ça tombe bien, on est face à l'Elysée. Tu as peut-être un message un peu politique à faire passer à ce niveau-là. Oh bah, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai envie que ça aille bien pour tout le monde. Et moi, j'espère que ça ira bien pour ton film. C'est gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.